Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran. Donc si vous vous connectez tous les jours sur cette map, on va bien finir par débloquer l'XP. Et quand on aura l'XP sur cette map, on pourra vous proposer des meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels en un seul glitch. Donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP sur cette map. Le code de la map sera en description et en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 2 8 2 5 7 4 7 4 6 6 9 2 5. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là, vous sélectionnez la map, vous lancez en privé. Donc pendant que la partie est en train de se lancer, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, c'est pas obligatoire, mais ça soutient de ouf la chaîne. Donc merci énormément à ceux qui le mettent. Il s'efface toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Alors par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur Option, aller dans Menu, ensuite lancer le jeu. Et là, vous allez attendre 10 minutes. Regardez, en haut à gauche, il est marqué Play 10 minutes to earn XP. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre 10 minutes pour que le glitch d'XP soit plus rentable pour vous. Alors vous pouvez bien entendu ne pas attendre et faire directement le glitch, mais vous gagnerez sûrement beaucoup moins d'XP, un peu ou beaucoup moins d'XP. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'attendre 10 minutes, comme ça vous aurez un maximum d'XP. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes, c'est parti. Ok, donc il reste encore 4 secondes, 3, 2, 1, voilà, j'ai attendu pendant 10 minutes. Maintenant ce que vous allez faire, c'est sortir du spawn, aller vers le geyser, qui est juste ici. Hop. Ensuite, regardez à peu près où je suis. Donc, c'est à gauche du geyser. Juste ici, normalement, il y a un bouton secret. Donc, voilà. Vous actionnez ce bouton et vous allez voir, je vais gagner pas mal d'XP. Donc là, je suis à 9000 XP. Ok, donc j'ai gagné 40 000 XP rien qu'avec ce glitch, rien qu'avec ce bouton. Donc là, je vais vous montrer le deuxième glitch. Il va falloir sortir du spawn encore. Vous allez aux premières rampes, les premières rampes qui sont juste ici. Ensuite, vous vous placez en dessous de la rampe de gauche normalement. Et là, il y a un bouton Earn XP, vous l'actionnez. Donc là, je suis à 49 000 XP, on va voir comment ça va me rapporter. Ok, donc le deuxième bouton m'a rapporté 40 000 XP aussi, enfin même 41 000. Alors le prochain glitch, c'est toujours près des premières rampes. Donc hop, donc là on est déjà à 81 000 d'XP, donc un niveau complet. Donc ouais, un niveau complet. Donc ici, vous allez mettre 5 rampes, 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 3 sols, 1, 2, 3, 3 sols sur la gauche, 1, donc pas celle-là, 1. Je les ai mis sans faire exprès. Donc 3 sols sur la gauche. 1, 2, 3. Et 3 sols sur la droite. 1, 2, 3. Ah, je me suis trompé, attendez. Ça c'est bizarre ça. En fait, ok. Donc en fait, ça, il n'y a pas besoin. Ça, il n'y a pas besoin. Donc ça fait 5 rampes. Ouais, donc c'est ça. C'est 5 rampes. 3 rampes, 3 plats. Donc 5 rampes, 1, 2, 3 plats. 2 plats sur la gauche, 1, 2 et 1 plat sur la droite. Et ici, votre personnage devient bleu. Vous faites une petite émote et vous allez gagner des XP. Donc là, j'étais à 8000 XP. On va voir combien je vais en gagner. Ok, celui-là m'a pas rapporté beaucoup. Ça m'a rapporté 6000 XP, mais c'est déjà de ça. C'est déjà ça de prix. Donc maintenant, vous allez en haut de la box du spawn.
Donc vous voyez, il y a deux box. Il y a une box à gauche et une box à droite. Vous allez au-dessus de la box de droite, comme je vais le faire. Et vous allez voir qu'il y a un petit bouton juste ici au-dessus que vous allez pouvoir actionner. Voilà, vous actionnez le bouton. Ensuite, vous êtes dans des dunes de neige. Il va falloir aller vers le mot Exit. À droite, il y a un personnage. Vous actionnez le bouton du personnage. Donc là, j'étais à 2000 XP. Ok, donc celui-là m'a rapporté 7000 XP. Alors ensuite, il va falloir aller à gauche du spawn. Donc juste ici à gauche. Hop. Là aussi, il y aura un autre bouton à actionner. Juste ici, lava. Vous actionnez le bouton, ça vous emmène ici. Donc là, vous foncez vers le personnage. Et vous actionnez le bouton du personnage. Donc là, j'étais à 74 000 XP. Ok, donc celui-là m'a rapporté 7000 XP aussi. Alors, ensuite, vous allez aller vers les voitures, les véhicules à droite. Plus précisément, vous allez aller derrière l'overboard entre le véhicule et l'avion. Donc juste ici, la voiture et l'avion, il y a un bouton secret. Vous actionnez le bouton. Ah oui, il y a encore un truc à faire. Vous allez mettre deux rampes comme ceci pour arriver dans le coin juste ici. Vous actionnez le bouton. Et là, j'étais à 67000 XP. Ok, donc celui-là m'a rapporté 5000 XP. Si je ne me trompe pas. Ensuite, vous retournez vers les véhicules. Vous prenez soit un overboard ou soit un véhicule normal. Et vous allez vous diriger vers la box de gauche, près du spawn. Donc juste ici, vous rentrez avec le véhicule. Ensuite, vous cherchez un petit bouton, je ne sais plus où il est. Attendez. Peut-être à droite en fait. Ah ouais, mais ça craint si je mets l'overboard à chaque fois dessus. Ok, attendez, je vais retourner avec un véhicule parce que là, ça a foiré. Ok, donc en fait, quand vous êtes dans la box, il suffit juste de danser. Je croyais qu'il y avait un bouton, mais en fait non, il faut juste danser, ça vous téléporte ici. Alors je crois qu'il y a un glitch ici, mais je ne sais pas s'il est encore fonctionnel. On va le tester tout de suite. Donc vous nagez jusqu'au bout. Ensuite, il a été changé, ok. Donc celui-là ne fonctionne plus. Donc vous ressortez. Et en fait, vous allez aller au fond, là-bas. Il y a un autre trou. Passez dans le trou. Là, il y a des œufs, mais les XP ont été changés aussi. Regardez, XP changé. Donc là, vous faites une construction, une rampe, un sol. Vous regardez en haut à gauche. Normalement, il y a un bouton secret XP. Vous interagissez avec. Donc là, j'étais à 58 000. Ok, donc celui-là m'a rapporté 7000 XP. Et maintenant, le dernier, vous allez toujours chercher un véhicule. Et cette fois-ci, vous allez dans la box de droite. Voilà, juste ici. Et normalement, il y a un bouton secret normalement. Voilà, il est juste ici à gauche. Vous actionnez le bouton secret. Et normalement, ça va vous donner aussi des XP. Donc j'étais à 51 000. J'étais à 51 000. Ok, j'étais à 51 000, je suis à 24 000, donc j'ai gagné 22 000 XP si je me trompe pas dans mes calculs. Donc j'ai gagné 22 000 XP avec le dernier bouton. Donc ça vous fait un total de deux niveaux, hein, presque deux niveaux avec un seul glitch.
Donc c'est un des meilleurs glitches actuels aussi sur Fortnite. Je vous en ai déjà présenté un tout à l'heure. Donc ça c'est le deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Quand vous avez terminé d'appuyer sur tous les boutons et de faire le glitch, soit vous arrêtez la partie et vous recommencez le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité, ou soit vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec ce glitch. Donc ça veut dire que si vous gagnez deux niveaux avec ce glitch, ben ça veut dire que vous ferez x5, vous gagnerez 10 niveaux avec ce glitch. Donc n'hésitez pas à aller voir la technique secrète qui est en description pour gagner directement 10 niveaux grâce à ce glitch. Si vous ne la connaissez pas, la vidéo sera en description, en commentaire épinglé. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.